Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Top, merci. Bon, bah, on retente aujourd'hui. On retente l'aventure. Et on verra. En espérant que cela fonctionne aujourd'hui. Je vais juste attendre quelques minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui vont se connecter. Je pense que je vais attendre jusqu'à 21h05, si c'est bon pour vous. Bon, ben j'espère que vous passez une bonne semaine en tout cas. Tout se passe pour le mieux. Ça fait vraiment hyper bizarre hein, quand même hein, de faire cette vidéo. On a vraiment l'impression de parler tout seul. Ok, on va attendre encore 2 petites minutes. Et on commencera. Bonsoir, Magali. Bonsoir, Christine. Plus qu'une minute et on commencera. En espérant que ça coupe pas. Hello, hello. J'aurais dit, ça fait plaisir de te voir aussi, Christine, mais je te vois pas. Donc, ça fait plaisir de te lire. Ok, c'est parti. Alors déjà, je voudrais commencer juste si vous le voulez bien par une petite prière pour voilà pour tout simplement remettre Dieu au centre de cet échange en tout cas. C'est lui qui permet toute chose, hein. On le sait. Donc Seigneur, je te bénis, éternel Dieu. Je te bénis pour ta sainte présence, Seigneur. Je te bénis pour l'esprit que tu as mis en nous. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour les vies de chacun d'entre nous, parce que tu as fait des choses merveilleuses, Seigneur Dieu.
Et tu permets, éternel Dieu, que nous prenions ce temps pour témoigner, Seigneur Dieu, de ta gloire dans nos vies. Seigneur, nous te remettons l'honneur, la gloire et la louange qui t'appartiennent, Seigneur Dieu, au siècle et des siècles. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Et je prie seulement, Seigneur Dieu, pour que tu puisses utiliser ce moment selon le bon vouloir de ta volonté, Seigneur Dieu. Que tu puisses faire ce que tu désires, ce que tu veux en ce moment. Je te remets toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Donne-nous des cœurs, Père éternel Dieu, pour comprendre. Donne-nous des oreilles et des yeux pour voir et entendre, Seigneur Dieu, ce que tu as à nous dire en tout cas. Nous humilions devant ta face, Seigneur Dieu, parce que nous savons que tu es Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, encore une fois, pour toutes les choses que tu as déjà faites, pour toutes les choses que tu fais aujourd'hui et toutes les choses encore que tu vas accomplir dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, 6 minutes et ça n'a pas coupé. Je pense que ça va le faire. Comme j'ai tenté de vous le dire hier, tant bien que mal, donc comme vous pouvez le voir sur le titre, hein, le titre c'est témoignage. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, je pense que ça ne va pas être très très long, mais voilà, l'idée c'est juste de partager un petit peu, de rendre témoignage à ce que Dieu a déjà fait. Peut-être rendre témoignage aussi de ce qu'il fait aujourd'hui, de ce qu'il a prévu de faire demain, je ne sais pas, en tout cas, bon. En tout cas, la force de cette assemblée, de ce groupe, c'est la sincérité. Donc j'espère en tout cas être à la hauteur de ça aussi. Et évidemment, pour toute question, faut pas du tout hésiter. On est là pour ça et on est là pour être vrais les uns avec les autres aussi. Donc je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Mariama. Voilà, donc je connais un petit peu cette assemblée depuis un petit bout de temps, notamment à cause de Béné, parce que c'est un ami de très très longue date, que j'ai connu d'ailleurs au moment de ma conversion. Et d'ailleurs, voilà, bon, ben, je vais y venir, hein, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre aussi, ce sera un petit peu un dialogue pour moi en fait, si je vois qu'on intervient dans le groupe, sinon j'ai juste l'impression de parler seule dans mon salon en fait. Mais voilà, donc en fait, pour ceux qui ont déjà entendu, désolé, et pour ceux qui n'ont pas entendu, bon ben voilà. Je ne sais pas si vous connaissez très très bien l'Afrique, en tout cas Mariama, c'est typiquement un prénom Westaf. Donc moi je suis originaire de la Guinée, je suis née en France, mais mes parents sont venus tout droit de la Guinée dans les années 70-80. Et la Guinée, donc est frontalier au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et autres, eh bien, est un pays qui est à 100%, on va dire 99,9% musulman. Donc, moi, j'ai grandi dans un foyer musulman, dans un foyer dans lequel, voilà, mon père a été et est toujours d'ailleurs très, très pratiquant. Alors, non seulement il est pratiquant, mais en plus de ça, il enseigne aussi le Coran. Il a toujours enseigné le Coran au sein de ma famille, au sein de la communauté Peul. Donc, c'est vrai qu'il est particulièrement respecté. Mon père, c'est typiquement voilà, le papa africain par excellence et le papa musulman par excellence. C'est-à-dire, voilà, le papa, je sais qu'il y en a plus d'un qui vont rigoler, mais effectivement, moi, je n'ai jamais tutoyé mon père. Ah, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je vous vois mon père. Et en fait, il n'y a personne qui tutoie mon père, à part ses amis. Et honnêtement, je crois que dans ma vie, j'ai entendu qu'une ou deux personnes tutoyer mon père. Donc, c'est pour vous dire la distance qui est mise volontairement entre les parents et les enfants. Mais voilà, donc effectivement, j'ai grandi dans ce type de foyer. Et très tôt, comme c'est le cas d'ailleurs pour les chrétiens aussi, pratiquants ou les juifs, peu importe. En tout cas, quand on est enfant, on tente d'inculquer les valeurs de sa foi aux enfants. Donc, moi, j'ai appris très, très tôt. Voilà, donc effectivement, Christine. Très très tôt, en fait, j'ai appris les versets coraniques, j'ai appris le Coran, etc. Mais c'est vrai que quelque part, même si j'apprenais le Coran et j'étais franchement passionnée par ça, parce que du haut de mes 5 ans, 6 ans, j'ai toujours eu une conscience accrue de l'existence de Dieu, beaucoup plus que mes sœurs d'ailleurs.
Donc j'ai grandi comme ça, et c'est vrai que ce qui était tout ce qui a toujours été un petit peu marrant, c'est que bon, moi mon prénom c'est Mariama, comme je vous l'ai dit, mais on m'a toujours appelée Marie. Et ça, c'est très très peu courant chez les Peuls, parce que ça, c'est un prénom qui est typiquement chrétien. Donc c'est vrai que le diminutif, alors que Mariama, c'est un prénom extrêmement répandu. Mais voilà, le fait de m'appeler Marie, ça a toujours été un peu bizarre. Et je me souviens, j'avais 4 ans, je crois, j'ai demandé un jour à ma sœur, mais pourquoi on m'appelle Marie? Et c'est là, en fait, là, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, parce qu'elle m'a répondu, bah, en fait, Marie, c'est la mère d'un grand prophète. J'ai dit, ah ouais, d'accord, et comment il s'appelle? Elle me dit, ah ben voilà, il s'appelle Jésus, c'est un très grand prophète et tout ça. Et en fait, bah, je pense que cette parole, ça a été, je sais pas, ce nom en tout cas a été planté à l'intérieur de moi. Et j'avais 4 ans, hein, donc mes premiers souvenirs remontent à 4 ans. Bref. Donc voilà, même enfant, bon, je vous passe évidemment les détails, mais même enfant, j'ai toujours fait mes petites expériences avec le Seigneur, je le mettais aussi parfois au défi. Évidemment, moi, l'image que j'avais de Dieu, c'était quelqu'un d'absolument immense. Mais en fait, moi, pour moi, il s'appelait Bismillah. Enfin, Bismillah, c'est un peu la bénédiction qu'on dit avant de manger, que les musulmans disent avant de manger. Et du coup, vu que moi, j'assimilais à ça parce que c'était la seule chose que je savais, eh bien, pour moi, je l'appelais comme ça. Donc, c'est vrai que plusieurs fois, il m'est arrivé des choses. Et puis après, dans mon cœur, je me disais toujours, bon, ben, si Bismillah, il fait quelque chose, eh ben, je vais croire encore plus en lui. Effectivement, à chaque fois, il faisait la chose. Et finalement, bah, c'est comme ça que j'ai grandi dans une forme d'intimité avec lui. Et c'est vrai que ce qui est quand même particulier, je vais pas faire de généralité, mais en général, dans l'islam, on n'est pas du tout proche de Dieu. On a une notion d'un Dieu qui est très très loin, qui fait peur, qui est grand. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les prières de chaque musulman, on répète sans cesse Allah Akbar. Ça veut dire Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. C'est on reconnaît véritablement la grandeur de Dieu. On reconnaît une forme de miséricorde de Dieu, mais en tout cas, c'est un Dieu qui est loin. C'est un Dieu qui n'intervient pas forcément dans nos vies et avec qui on a encore moins une relation. Donc voilà, quand on prie, déjà on prie en arabe, donc dans une langue qui n'est pas la nôtre, pour beaucoup en tout cas. Et même pour d'ailleurs pour les personnes parlant l'arabe couramment, c'est un arabe littéraire. Donc il y a quand même vraiment une vraie, tout est fait pour avoir en tout cas une vraie distance avec ce Dieu-là. Mais bon, en tout cas voilà, donc j'ai grandi dans ça. Et en fait, bonsoir India, pas de problème. Et en fait. Du coup, voilà, j'ai grandi dans ça. Et en fait, pendant mon adolescence, bah, j'ai un peu fait ma vie, hein, comme tout bon musulman qui se respecte quand on est ado. Ça ressemble, évidemment, le paysage musulman à l'époque, dans les années 90, ne ressemble pas au paysage musulman d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on voit des filles voilées à 14 ans et tout va bien. Voilà, donc c'est pas du tout le même contexte, ni la même manière de voir les choses. En tout cas, à mon époque, voilà, chacun faisait sa vie. Garder sa foi un petit peu de côté, mais en tout cas, chacun faisait sa vie. Excusez-moi. Je vais juste mettre en silencieux. Voilà, donc j'ai décidé de faire ma vie. Et c'est vrai que quelque part, même si j'ai toujours eu conscience que Dieu existait, encore une fois, ben voilà, c'était pas non plus ma priorité dans ma vie. Et en tout cas, dans les moments que j'ai pu traverser, eh bien, ça, c'était pas vraiment là. Parce que c'est vrai que j'ai grandi quand même dans un foyer qui était compliqué, émotionnellement en tout cas, qui a été très compliqué pour moi émotionnellement. Bon, pour les Africains, je pense qu'ils vont se reconnaître, hein, dans ce que je vais dire, mais bon, voilà, moi j'ai grandi avec des parents qui ont franchement fait de leur mieux, hein. Aujourd'hui, je ne jette absolument pas la pierre, on ne donne que ce qu'on a. Et eux, ce qu'ils avaient à l'époque, c'est bon, ben voilà, pour encourager mon enfant, je vais lui dire et lui répéter à quel point elle est nulle et à quel point elle ne vaut rien et à quel point elle ne fera rien de sa vie et à quel point, voilà, en gros, elle sert strictement à rien et que clairement, d'ailleurs, on me l'a déjà dit, que j'étais clairement une erreur. Donc voilà, donc c'est vrai que en grandissant dans ces choses-là, parce que, et en fait, on me disait ces choses-là parce que, bon, moi, l'école, franchement, c'était pas très intéressant pour moi, donc pour moi, c'était plus un lieu social qu'autre chose.
Sauf que ma sœur, elle était très intelligente, voilà, bon, c'est un peu les familles un peu typiques avec une sœur excellente, un petit peu le modèle, l'enfant modèle, et puis le mauvais, la brebis galeuse un petit peu. Donc finalement, c'était beaucoup de comparaisons, beaucoup de choses, et entre autres en tout cas. Et c'est vrai que tout ça, ça a eu un véritable effet sur moi. Ça a eu un véritable effet sur moi qui était extrêmement négatif. Et surtout, en fait, la particularité, c'est que j'ai cru à ces choses-là. J'ai vraiment cru que je servais à rien. J'ai vraiment cru que j'étais profondément nulle. Ça, en fait, c'était des vraies paroles qui ont été plantées en moi, mais vraiment ancrées et qui m'ont au point que ça m'a vraiment défini même en tant que personne. Et même dans la manière, y compris dans la manière moi-même de me voir, en fait. Et du coup, bon, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, bon, sachant qu'en plus, bon, je vais pas forcément rentrer dedans, mais en plus, bon, moi, je suis issue d'une famille polygame, etc. Bon, je vous raconte pas les dramas. Donc voilà, donc ma mère n'aidait certainement pas quand elle me disait, ben, ton père, il a dit ça de toi, voilà ce que tu es, voilà. Donc en fait, j'en ai à un moment donné, en fait, c'est monté, la mayonnaise est tellement montée en moi qu'en fait, je me suis dit, bah non, mais en fait, j'en peux plus. Donc à 14 ans, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Alors c'était une tentative ratée, évidemment, mais comme on le sait, hein, quelqu'un qui veut vraiment se suicider, en général, ne se rate pas trop. Hein. Ou en tout cas, s'il se rate, c'est avec beaucoup de séquelles. Moi, en l'occurrence, bah, je crois que c'était plus un cri à l'aide. Qu'une vraie volonté de mourir, même si j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de mourir, mais j'étais juste trop douillette pour aller jusqu'au bout. Donc, je me suis coupée les veines, mais pas assez profondément. Bon, en tout cas, ça s'est soldé par un séjour à l'hôpital, un séjour dans l'aile psychiatrique, etc. Bon, voilà. Mais en fait, ça a été quelque part, en fait, je vous raconte ça évidemment avec beaucoup de légèreté, mais c'est vrai que ça a été un moment, c'est un moment très compliqué spirituellement. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce qu'en fait, cet acte-là, ça a vraiment ouvert une porte à l'esprit de mort. Et cet esprit de mort, même en tant que chrétienne convertie depuis longtemps, c'est l'esprit véritablement, enfin, c'est ma montagne, quoi. Voilà, on a chacun une montagne, on a chacun un truc qui fait que, voilà, il faut vraiment qu'on on a chacun nos défis, en fait, tout simplement. Et ce défi-là, il est immense parce qu'en fait, l'esprit de mort prend différentes formes. Mais en tout cas, ça a été un moment, comme je vous le disais, qui a vraiment ouvert une porte à cet esprit de mort. Et parce que juste après ça, en fait, je suis tombée dans l'anorexie. Je suis tombée vraiment dans un truc, dans une pente vraiment descendante. Et par la suite, donc, voilà, comme je vous le disais, voilà, je suis tombée dans l'anorexie, etc., etc., donc jusqu'à mes 16 ans. Et en fait, à 16 ans, j'ai rencontré un homme qui était de 13 ans mon aîné. Donc à l'époque, il avait 29 ans. Et en fait, il y avait des vues sur moi, etc. Donc finalement, on a fini par se mettre ensemble. Oui, c'est une forme de pédophilie. Mais à l'époque, évidemment, je ne le voyais pas du tout. Et surtout, j'étais folle, folle de cet homme. D'autant plus que dans le contexte dans lequel j'étais, eh bien, c'était concrètement devenu un peu mon roc. C'est vraiment sur lui que je me reposais pour aller mieux. Mais évidemment, il m'a traité, enfin, lui, c'était vraiment enfin, c'était un film avec lui, en fait. Ça a été un film. Parce que finalement, au bout de 2 ans de misère, même si dans mon cœur, en plus, j'étais persuadée qu'au moment où je l'ai rencontré, de la même manière que je suis tombée follement amoureuse de lui, de la même manière, j'ai été profondément convaincue à ce moment-là. C'est pour ça que l'intuition, il faut toujours l'écouter, parce que c'est une manière aussi que Dieu utilise pour nous parler. Et je me souviens même de l'avoir écrit noir sur blanc, parce qu'à l'époque, je tenais un journal. Pas du tout fidèlement, certes, mais en tout cas, les choses importantes, je les ai notées. Et je me souviens avoir noté clairement noir sur blanc. Cet homme-là, je ne lui fais pas confiance et je pense qu'il va faire énormément de mal. Je sais que je devrais l'éviter, mais je l'aime trop. Voilà. Bon, quand on a 16 ans, on n'est pas forcément très fut-fut. Effectivement, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, au bout de 2 ans, en fait, il s'est marié derrière mon dos. Donc, en fait, pendant tout ce temps, il était carrément fiancé. Et puis, voilà, il s'est juste marié derrière mon dos.
Et non seulement il s'est marié derrière mon dos, mais il a fait en sorte de me faire croire que c'était quelque chose de forcé, etc., etc., qu'il allait divorcer. Donc en fait, il m'a maintenue dans un stade de maîtresse, limite, pas limite d'ailleurs, en me promettant de toute façon qu'il allait divorcer là dans les jours à venir et que voilà. Donc ça a duré jusqu'au moment où il a fondé sa famille avec sa femme et qu'elle est tombée enceinte. Donc à ce moment-là, c'est là qu'il s'est dit, bon, quand même que je commence à être sérieux. Mais en fait, cette histoire, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment détruite. Ça m'a vraiment, vraiment détruite. Et en fait, à ce moment-là, par contre, j'avais 10, attends, j'avais 18 ans, ouais, ça s'est passé jusqu'à 19 ans. Il s'est marié jusqu'à, voilà, à 18 ans, il s'est marié. Il m'a maintenue dans cet état un peu de maîtresse jusqu'à mes 19 ans. Mais à ce moment-là, voilà, bon, après, on a coupé les ponts. Et en fait, à ce moment-là, ça a vraiment été un moment très important parce que, en fait, vu que c'était le roc sur lequel je m'étais reposée, j'avais rien d'autre que lui. Et là, je me suis dit, bon, là, par contre, là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Et surtout, je me suis dit à ce moment-là qu'en fait, je ne voyais pas, en fait, même si j'avais quelque part l'idée de me dire, ah ben, peut-être qu'un jour je vais rencontrer un homme, je vais certainement me marier, je vais avoir peut-être des enfants, je vais avoir une maison, une voiture, etc. Mais quelque part, en fait, l'idée de ces choses-là, ben, je me disais, mais si c'est que ça la vie, en fait, j'en veux pas du tout. Donc là, pour le coup, là, je voulais vraiment me suicider, mais j'étais très sérieuse. J'avais plus 14 ans, c'était plus une histoire de douillette ou pas. J'avais déjà fait tout le programme dans ma tête, je savais exactement ce que j'allais faire pour mettre fin à mes jours. Sauf que j'avais une seule peur, en fait, dans tout ça, et c'était la peur d'aller en enfer. Parce que malgré tout, même si j'avais mis Dieu de côté, j'ai toujours su que Dieu était là, quelque part, ou que Dieu existait. Mais de la même manière que Dieu existait, j'avais aussi conscience que bah, le paradis et l'enfer aussi existent. Et puis dans l'islam, ça blague pas. Quand on se suicide, on va direct en enfer. On passe pas du tout par la case départ. Et du coup, c'était ma seule peur en vrai. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, effectivement, là, je suis vraiment brisée. Mais par contre, potentiellement, l'enfer pourrait être pire. Donc, je me suis dit, bon, réfléchis quand même à ça. À ce moment-là, pour être très honnête, je ne réfléchissais même pas aux conséquences avec ma famille. Je pensais à rien du tout parce que pour moi, je n'avais rien. Et surtout, la particularité, c'est que je dis beaucoup ce mot aujourd'hui. Oh, bref. Et surtout, le truc, c'est que j'ai connu cet homme de manière intime et en tant que musulman, surtout en tant que femme musulmane, ta virginité, c'est ton identité. Et si t'as pas cette virginité, bah t'es rien. En fait, c'est un peu ça. Donc alors, non seulement j'avais le sentiment profond d'être souillée et de m'être gaspillée, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, même si je rencontrais un homme demain, j'aurais absolument rien à lui donner. J'aurais rien à lui donner. Je me suis gaspillée avec un homme qui ne m'a jamais aimée. Et en plus de ça, du coup, je n'ai rien à donner à qui que ce soit. Et en plus, eh bien, j'ai commis un très très grand péché envers Dieu. Qui ne me pardonnera jamais ça. Donc en fait, j'avais toute cette culpabilité qui revenait en même temps, j'avais toutes ces idées noires qui revenaient en même temps, et la seule chose qui contrebalançait ça, c'était ma peur de l'enfer. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon ben, voilà, sois intelligente, effectivement, tu peux prévoir de te suicider, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'avais déjà mon plan qui était très bien ficelé, mais essaie de voir véritablement si l'enfer existe, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai foi en Dieu. On m'a toujours inculqué la foi, mais même si moi je l'ai personnellement, à ce moment-là, je me suis dit, ben non, mais recherche véritablement. Recherche vraiment pour voir si ce n'est pas en réalité des fables. Parce que peut-être que tout ça, c'est juste un grand mytho pour manipuler les gens. Et en fait, rien n'existe. Donc si à ce moment-là, rien n'existe, il n'y a pas de problème, tu peux passer à l'acte. Au moins, même si tu es dans le néant, tu seras juste dans le néant. Ce ne sera pas pire que ce que tu vis aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. De me dire, bon, ben, je vais essayer de prouver l'existence ou non de l'enfer, même pas vraiment de Dieu, hein, mais de l'enfer, mais en l'occurrence Dieu. Voilà, c'est cette démarche-là que j'ai fait. Et puis à la fin, en fait, c'était un peu comme une investigation en fait, que je faisais. Et à la fin, je me disais, bon, ben, en fonction du résultat que j'obtiens,
Bah, je verrai si je me suicide ou pas, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre les prières, mes 5 prières par jour. Moi, je ne lis pas l'arabe. Par contre, j'avais un gros pavé comme ça du livre du Coran que je lisais en français. Donc, voilà, je commençais de plus en plus à être sérieuse, etc., etc., parce que, voilà, j'étais véritablement à la recherche d'une vraie réponse, savoir si c'était du mytho ou pas, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, moi, mon père, il a toujours organisé des enseignements à la maison avec des gens de la famille, avec des El Hadj, comme on les appelle, parce que mon père, il est El Hadj 3 fois d'ailleurs, il est parti 3 ou 4 fois à la Mecque. Et il n'y a aucune femme qui participe à ces choses-là. Et du coup, j'étais la seule fille qui était là, qui posait des questions, qui m'intéressait au plus grand bonheur de mon père, évidemment. Et voilà, donc je continuais ce petit bonhomme de chemin, je me donnais du temps. Et en fait, à un moment donné, j'ai repris contact avec une amie que j'avais perdue de vue depuis longtemps, depuis le collège. Et entre-temps, en fait, cette amie-là, elle a connu Dieu. Elle n'était pas forcément d'une confession particulière avant, mais en tout cas, elle avait donné sa vie à Dieu. Et c'était ma voisine et ma meilleure amie, du coup. Donc c'est vrai que j'allais très très souvent chez elle, elle venait très souvent chez moi. Et elle, sa technique d'évangélisation, c'était un peu. Encore une fois, moi aujourd'hui, je rappelle bien souvent que ce n'est pas grâce à elle que j'ai connu Dieu, quoi. Mais voilà, en tout cas, elle me parlait tout le temps de Dieu. J'étais là, écoute, moi, ton Dieu, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, moi, j'ai toujours respecté la foi des uns et des autres. Par contre, je suis musulmane, t'es chrétienne, chacun respecte ses frontières, quoi. Enfin, voilà. Et parce qu'elle, elle me disait ses phrases. Ces phrases étaient à base de ouais, est-ce que tu as prié Satan aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu as machin? Bon, franchement, le manque de sagesse, mais total. Mais peut-être pas un manque de sagesse, hein, parce que voilà où je suis aujourd'hui. Hein, donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, ça me faisait absolument ni chaud ni froid. Et en réalité, la différence, elle s'est faite de la manière suivante. C'est qu'en fait, un jour, j'étais chez elle. J'étais dans sa chambre et en fait elle faisait à manger, donc moi j'étais toute seule dans la chambre. Et il y avait une Bible en fait sur son bureau. Et vu que j'avais rien à faire, que je l'attendais, c'est là que je regarde la Bible et je me suis dit, ah bah tiens, mais j'avais jamais vu en fait une Bible de près. Même si on étudie tous à l'école, hein, le truc catholique, etc., etc., les choses assez basiques qu'on étudie en sixième, mais j'avais jamais vu en vrai, j'avais jamais vu une Bible en fait. Et donc, du coup, je me suis posé la question en me disant, mais je me demande à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je savais même pas comment c'était écrit, en fait. Ni la police, ni la. Enfin, voilà, je savais pas. Et du coup, je n'osais pas trop. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de regarder la Bible? Est-ce que j'ai le droit d'y toucher? Etc., etc. Donc, je me suis fait tous les scénarios possibles, imaginables. Voilà, je me suis dit, si je la touche, peut-être que la foudre va me tomber dessus. Enfin, voilà, je me suis fait tout un film. Donc, j'avais vraiment peur. Mais à un moment donné, je me suis rappelée d'une parole que j'avais entendue un jour de la bouche de mon père qui me disait que la Bible, en fait, ça faisait partie des 5 livres. Et qu'en fait, le Coran n'était que le dernier livre qui avait été donné par Dieu, qui est en gros la conclusion. Mais tout musulman se devait de connaître la Torah et la Bible. Alors évidemment, parenthèse, pour les musulmans, la Bible que nous lisons, c'est la Bible la plus falsifiée de la Terre. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit, c'est le prophète Mohammed, etc., etc. Je rentre même pas dedans. Mais bon, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu les discours, ils reconnaîtront mes propos. Mais je ferme la parenthèse. Et du coup, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben non, j'ai le droit, en fait, de lire la Bible. Ou en tout cas, de la toucher. Mais je l'ai fait avec beaucoup de crainte et tremblement. Parce que finalement, je me suis approchée de la Bible. J'ai un petit peu ouvert juste le coin du livre. Et en fait, là, c'est là que j'ai vu une parole qui parlait du pardon et de l'amour de Dieu. J'ai même pas lu, j'ai même pas ouvert à fond en me disant, ah ben tiens, je veux dire, non, non, c'était vraiment, j'ai juste soulevé et j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'était un tout petit passage. Et ça m'a tellement bouleversée parce qu'en fait, c'était la première fois de ma vie que j'ai entendu ou que j'ai lu quelque chose qui parlait de l'amour de Dieu. Et ça, il faut comprendre que pour un musulman, pour une musulmane, c'est un truc de fou. C'est limite un blasphème, en fait. Parce que tu dis, mais comment ça, Dieu est amour? Dieu, il est puissant, Dieu, il est grand. Dieu, c'est celui qui juge, c'est celui qui, voilà,
c'est une vision vraiment. Je dirais même pas que c'est un père fouettard parce que c'est certainement pas un père, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fouette. En tout cas, c'est quelqu'un qui fouette ou qui pardonne, mais bon, voilà, en tous les cas, tu restes loin de moi. Donc, c'est vrai que qu'on parle d'amour et de pardon, ça m'a tellement bouleversée parce que je me suis dit à ce moment-là, mais alors est-ce que c'est possible vraiment que Dieu me pardonne ce que j'ai fait? C'est pas possible. Et ça m'a vraiment, mais transpercé mon âme. Ce jour-là, j'ai même pas attendu mon amie, je suis sortie chez elle en courant, elle a rien compris, la pauvre. Je lui ai dit, écoute, je te recontacte, salut, ciao. Elle sait même pas ce qui s'est passé. Mais en fait, vu que, encore une fois, j'étais persuadée et je savais qu'on m'avait dit que le Coran, c'était la suite, ben, je me suis dit, bon, bah, ben, si c'est la suite logique de la Torah et de la Bible, c'est que certainement, je vais pouvoir retrouver cette même phrase, ou en tout cas, les mêmes notions d'amour dans le Coran. Donc, en fait, quand j'ai couru vers chez, quand j'ai couru, pour rentrer chez moi, j'ai fait mes ablutions directes et tout, parce qu'on peut pas toucher le Coran sans faire ses ablutions. J'ai pris le pavé et je me suis mis à la recherche du mot amour. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai tourné les pages. Franchement, mais j'étais, ma tête, elle était chaude. Enfin, j'étais là, mais j'étais complètement perturbée. Imaginez-vous quand même une musulmane qui lit la Bible, qui voit un truc qui la perturbe autant dans sa foi. Là, en fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Donc, en fait, quand je tournais les pages, je cherchais cette notion d'amour et je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ce truc? Et après, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, écoute, arrête avec ça. Parce qu'en plus, c'est des trucs de chrétiens. Toi, t'es pas dedans. Donc, reste dans ton truc. Et puis, de toute façon, voilà, Dieu va te guider s'il existe. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai commencé quand même j'ai continué plutôt à participer au truc avec ma famille, enfin, avec mon père et tout ça, et ses amis à l'âge, là. Mais en fait, ce qui était paradoxal, c'est que, en fait, cette parole-là, elle ne me quittait pas. Le matin, je me réveillais avec. Le soir, je dormais avec. De la même manière que le matin, je me réveillais avec la pensée de me jeter du balcon et que je m'endormais avec la même pensée, eh ben, en fait, il y avait ces deux seules pensées qui étaient dans mon cœur, quoi. C'était me jeter de mon balcon et cette parole-là sur l'amour de Dieu. C'était les deux seules paroles qui étaient en moi. Ou en tout cas, les deux seules idées qui étaient en moi. Et du coup, en fait, je me souviens, un jour, je discutais avec un de mes cousins, un vieux cousin, hein, un cousin à l'âge, là. Et en fait, je discutais avec lui, et puis du coup, on a été amené à parler du prophète Issa, qui est Yeshua. Et en fait, on commence à parler et tout ça, et puis il me dit un truc, il me dit, ah non, mais de toute façon, Mariama, le prophète Issa, lui, c'est le prophète qui a jamais fait de péché. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, donc il a jamais fait de péché. Mais alors, est-ce que le prophète Mohammed a péché? Il dit, oui, non, mais pour te dire la vérité, le prophète Issa, il est même plus grand que le prophète Mohammed. Alors là, par contre, j'ai commencé à me dire, mais attends, il est sérieux dans ce qu'il me dit? Je lui dis, mais attends, comment ça, il est plus grand que le prophète Mohammed? Il dit, oui, il est plus grand que le prophète Mohammed et tout ça. Et en plus, dans les derniers temps, c'est lui qui va venir. C'est lui qui va, il me dit, dans les derniers temps, c'est lui qui va revenir. Je dis, ouais, mais d'accord, mais alors, tu me dis qu'il est plus grand que le prophète Mohammed, ok? Tu me dis en plus que c'est lui qui va revenir à la fin des temps, est-ce qu'il vaut quand même pas mieux pour nous de le prier un peu, quoi? Enfin, il me dit, non, 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 surtout pas, parce qu'en fait, le prophète Issa, il va revenir pour dire à tous les chrétiens qu'ils se sont tous trompés et qu'il fallait jamais prier avec son nom. Et en fait, il m'a dit ça. Mais je me suis dit, non, mais il y a quand même un gros problème dans ce que tu me dis, en fait. Mais j'ai pas cherché à aller plus loin parce que bon, je voyais qu'il était quand même limité dans sa connaissance. Je me suis dit, OK, il vaut mieux pas aller dedans. Mais par contre, ça m'a vachement perturbée, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais effectivement, on parle du prophète Issa comme étant l'un des plus grands prophètes. On parle même de lui comme étant le Messie, le Machiav même dans le Coran, avec évidemment une connotation un peu différente. D'ailleurs, que pas beaucoup comprennent. Et c'est lui en plus qui revient à la fin des temps et il faut pas le prier, il faut pas, il y a rien à faire. En fait, il va juste venir dire à tout le monde, vous vous êtes tous plantés et puis il va repartir. Je dis, attends, c'est quand même bizarre cette affaire. Mais j'ai laissé ça quand même. Je me suis dit, oh là là, écoute, ne rentre même pas dans ces trucs de chrétiens ou dans ces trucs des histoires avec Issa. Toi, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est de savoir si l'enfer existe ou pas. C'est ton seul problème. Voilà. Donc, j'ai continué mes recherches et en fait, cette parole, vu qu'elle n'arrêtait pas de me quitter, ça continue pendant des semaines et des semaines et des mois. Et en fait, un jour, bah, je faisais ma prière du soir avant de dormir.
Et en fait, à ce moment-là, j'ai. Parce qu'en fait, les musulmans, en fait, ils font la prière. Donc, il y a une manière hein, de faire la prière. Hein. En fait, on doit réciter la Fatiha. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, à la fin de la prière, quand on a fini, en fait, parfois, on peut s'adresser à Dieu. On peut s'adresser à Dieu, mais ça, c'est un petit peu comme si on lui parlait, mais bon, c'est. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fait évidemment systématiquement, pas du tout. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais tellement perturbée dans ma tête. Parce qu'en plus, en tant que musulmane, moi, je me sentais vraiment hyper mal. Parce que je me disais, mais comment moi, je suis musulmane? Et la seule parole qui résonne en moi, c'est une parole de la Bible, quoi. Enfin, pour moi, je me sentais comme si j'étais en train de trahir mon identité, quoi, en fait. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est plus possible. Et j'ai adressé vraiment cette prière à Dieu que je n'oublierai jamais de ma vie. En fait, j'ai adressé la prière à Dieu suivante. Je lui ai dit, voilà, écoute, Dieu, je ne sais pas quel est ton nom. Je ne sais pas si tu t'appelles Allah, Jésus ou Bouddha. Par contre, si la vérité, elle est dans si la vérité, elle est dans l'islam, fais de moi une musulmane à 400% qui ne doute pas du tout. Par contre, si ta vérité, elle est dans la Bible, alors fais de moi une chrétienne, mais qui ne doute pas du tout. En fait, je voulais juste être claire, quoi. Et j'ai juste laissé cette parole-là comme ça. Je me suis dit, bon, ben voilà, si Dieu existe, il me répondra. Même si au fond de moi, j'ai toujours su que Dieu existait. Mais j'ai laissé cette parole, j'ai oublié cette prière. Voilà, j'ai fait ma vie. Et en fait, bah, un jour, j'ai mon ami en question qui m'a proposé d'aller dans son église. À l'époque, elle priait à Amour et Vérité. Je rigole parce que Béné connaît bien. Et en fait, elle m'a invitée là-bas. Donc, une fois, deux fois, je me suis dit, bon, bah, ok, peut-être un jour, je sais pas quoi. Et en fait, un jour, j'y suis allée quand même. Pas du tout dans une démarche de oui, je vais découvrir Jésus, pas du tout. C'est parce que j'étais jamais allée dans une église de ma vie. C'était tout simplement ça. On m'aurait invitée dans une synagogue, j'aurais fait pareil, en fait. J'aurais dit oui, je serais partie. Parce que c'était uniquement, en fait, c'était une vraie démarche en fait anthropologique un petit peu. C'était juste pour voir en fait ce dont il s'agissait. Et du coup, je suis allée là-bas. En fait, on peut dire ce qu'on veut hein, sur les églises et Babylone, je sais pas quoi, mais Dieu m'a parlé ce jour-là. Et en fait, le pasteur il prêchait justement sur la fin des temps. Je me souviens qu'il a dit une parole. J'ai rien écouté, franchement, j'ai rien écouté. Je me suis juste réveillée. Au moment où il a dit une parole, il a dit, Jésus ne reviendra pas sur la terre tant que ces brebis ne rentreront pas dans l'enclos. Et tant que la dernière brebis n'est pas rentrée dans l'enclos. Je me suis réveillée qu'à ce moment-là. Et en fait, cette parole, c'est comme si c'était adressé personnellement à moi et je me suis dit, oh, mais je suis cette brebis. Des fois, mais je suis vraiment cette brebis. Et en fait, à ce moment-là, évidemment, je n'ai pensé à rien du tout. Il y a eu l'appel, justement, qui veut donner sa vie à Jésus, tout ça. Donc, moi, je lève la main et tout. Oui, je veux, je veux, je veux. Après, je suis allée dans la petite pièce derrière où on prend tes coordonnées, machin, on fait une prière et puis on te dit, bon, ben voilà, hein, on te donne un papier, on te dit, bon, tu es chrétienne. J'ai dit, ok, d'accord. Et en fait, mon amie à l'époque, qui me parlait tout le temps de Jésus, en fait, elle faisait la pub comme quoi Jésus, c'était celui qui enlevait tous les problèmes. Elle me disait, écoute, Marie, t'inquiète pas, quand tu vas accepter Jésus dans ta vie, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tous tes problèmes, tout ça va plus exister, toutes les pensées que tu as, ça va plus exister, ça va être terminé, tout ça. Elle me faisait la pub, tu vois, le marketing à fond. Je dis, ah bon, vraiment, t'es sûre de ton coup, machin. Bref. Donc finalement, quand j'ai complété ce fameux papier et qu'on a fait une prière avec moi, je me suis dit, bon, écoute, je suis rentrée dans le club. Donc éventuellement, bah, les pensées, tout ça, toute ma vie, en fait, va vraiment, véritablement changer. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai attendu une journée, deux journées, trois journées. J'ai attendu une semaine. Rien du tout. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mes pensées étaient toujours bel et bien présentes, voire plus fortes. J'étais toujours dans le même état. Rien n'a changé dans mon existence. Je suis allée voir mon ami en lui disant, écoute, mon ami, tout ce que tu m'as raconté, c'est du pipeau. En fait, c'est juste une grosse arnaque, ton truc. Ton Jésus, il sait rien faire.
Moi, ma vie n'a pas changé. Donc, merci, mais non, merci. En fait, c'est un peu comme quand on se désabonne en fait d'une salle de sport. J'avais un peu la même impression. En gros, bon, bah, c'était bien hein, pendant une semaine. Bon, bah, vas-y, bah, moi, je retourne à mes vieux trucs et puis, enfin, à mes trucs. Et puis, bon, bah, voilà. Hein. Donc, voilà, c'était une forme de désabonnement. Donc, je retourne à ma vie, je continue à prendre le courant et puis, voilà, je continue à essayer de chercher mes réponses. Et ça a duré comme ça pendant, mais pendant des mois. Et je crois, de mémoire, je crois que c'était 2 ou 3 mois après, quelque chose comme ça. Bon, elle était, évidemment, elle était désespérée. Hein. Vous savez, quand on prêche la parole à quelqu'un et qu'on voit qu'elle arrive au but et qu'on voit qu'elle lutte et tout ça, en fait, c'est parce qu'on croit, on désespère parce qu'on croit que c'est nous qui faisons les choses. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. C'est pas nous les hommes. Nous ne sommes qu'un canal. C'est lui qui fait complètement le reste. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de se stresser, quoi, en fait. Donc, en fait, 2, 3 mois après, elle, la pauvre, elle désespérait de voir que j'étais retournée dans mon truc. C'était une conversion complètement ratée. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de. C'était à l'époque des CD, hein, pour ceux qui ont connu les CD. Oh, je rigole. Et en fait, à l'époque, elle m'avait passé des CD de louanges. En fait, c'était des louanges un peu façon R&B et tout. Donc, en fait, bon, moi, ça me paraissait pas trop étranger. C'était des musiques que j'écoutais un peu, mais un tout petit peu. Encore une fois, faut pas oublier que moi, j'ai vécu avec ma famille, avec mes frères et sœurs, que nous, on était en mode, voilà, on n'était pas intégristes, hein, mais tu vas pas écouter des chansons où on parle d'un certain Jésus, là. Tu vas pas l'écouter dans la maison de mes parents. Donc, c'est un truc, voilà, un CD que j'avais complètement oublié, que j'avais mis de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après cet épisode, on m'a réveillée au milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui me réveille au milieu de la nuit. Il devait être genre 2 heures du matin, quelque chose comme ça. En fait, on me réveille et on me dit, j'entends une voix qui me dit, cherche le CD, tant, le CD orange, et écoute la chanson numéro 2. À ce moment-là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, franchement, j'ai vraiment cru que j'étais en train de devenir folle. Quelque chose qui me parle à 2 heures du matin, dans un monde normal, on te dit, bon, écoute, va consulter un psychiatre. Donc, je me dis, oh là là, bon, moi, je réponds pas, j'essaie de me rendormir. Impossible de dormir. J'entends que cette voix qui me dit, retrouve ce CD, écoute la chanson numéro 2. Écoute la chanson numéro 2. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Et ça m'a tellement harcelée que je me suis dit, OK, je vais chercher ce CD. Et du coup, moi, je partageais la chambre avec mes 2 sœurs. J'allume la lumière. Alors, évidemment, je me fais complètement allumer. Et en fait, je cherche ce CD partout, 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 partout. Je finis par le retrouver. Je vais dans la salle de bain parce que c'est dans la salle de bain que je gardais mon poste de musique. Les postes avec là où on pouvait mettre les CD. Donc, je vais dans la salle de bain. Et je me dis, mais oh là 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 là, en pyjama et tout, à 2 heures et quelques du matin, si mon père se réveille, qu'il entend une chanson de Jésus à 2 heures du matin, enfin, je passe par la fenêtre, là, pour le coup, j'aurais même plus besoin de me suicider, quoi, il me tue. Je me dis, mais oh là là, mais est-ce que je suis en train de devenir folle? Mais j'avais vraiment très très peur. Donc, je mets ce CD-là. Je mets la fameuse musique numéro 2. Et j'attends, mais je suis là. Et je me souviendrai tout le temps, j'étais sur le bord de la baignoire, je croisais les bras comme ça. Je me suis dit, OK. J'écoute la musique au début, je n'ai pas trop calculé, mais après, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et en fait, cette musique, elle est en train de raconter toute ma vie. Et je ne sais pas comment je suis passée de la position assise au bord de la baignoire à prosternée par terre. J'étais vraiment à terre. Et c'était la première fois que j'expérimentais ce genre de choses, parce que de la même manière que je n'avais aucune connaissance de Dieu, j'avais une certitude. C'était même pas une certitude. C'était, je savais que Dieu était là dans ma salle de bain. Il était avec moi, devant moi. Et oui, je m'en souviens, Fouki. Je vais peut-être le dire après. Je vais peut-être la chanter après. En fait, ça disait. Ah, je vais peut-être la chanter après. Et en fait, du coup, j'étais prosternée. J'étais prosternée par terre. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si j'étais en train de me vider, quoi. Et comme si j'avais véritablement, bah,
trouver. En fait, je sais pas, c'est comme si je me retrouvais devant la vérité, quoi. Et du coup, voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment déversé mon cœur. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti comme si, en fait, il y avait une main qui prenait mon cœur, qui le retirait. En fait, c'est comme, je sais pas, c'est comme si j'avais une vision, je sais pas trop comment expliquer la chose. C'est comme si, en fait, je voyais que mon cœur, on le prenait, qu'on le sortait, tu vois, il allait vers le ciel. Et comme si, en échange, on me donnait quelque chose et qu'on me l'avait mis, en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. À l'époque, je ne savais rien du tout de ce cœur nouveau, naître d'en haut. J'étais à l'ouest. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment parlé à Dieu. C'était pas la première fois que je parlais à Dieu, mais c'était la première fois que j'avais conscience qu'il était là et que je lui parlais véritablement là. Il était devant moi. Et en fait, à ce moment-là, bon, bref, je ne vais pas aller dans ce que j'ai dit, mais en tout cas, il y a vraiment eu une alliance à ce moment-là. Et là, je vais vraiment demander, bah, écoute, voilà, si aujourd'hui je fais le pas, bah, ne m'abandonne jamais, quoi. Mais vraiment, ne m'abandonne jamais. C'était vraiment la prière de mon cœur. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est comme si c'était scellé, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis convertie. Juste pour te répondre, Fouki, parce que moi, quand je pose des questions, vous répondez toujours. En fait, la chanson, ça disait juste le début, hein. On dit que tu es El Shaddai, du puissant, l'alpha, l'oméga, le créateur. Tes bienfaits sont nombreux, tes exploits sont merveilleux et elles sont racontées dans de belles fables. Mais à quoi me servent toutes ces promesses si elles ne peuvent se réaliser dans ma vie? Tu as dit, éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve et je te le montrerai que je suis Dieu, celui qui te, je sais plus quoi. Et puis, bon, voilà, en gros, c'était... En gros, c'est un petit peu, ça racontait l'histoire d'un cœur qui cherchait Dieu, en fait. C'était l'histoire d'un Dieu, d'un cœur qui cherchait véritablement des réponses de Dieu et qui était dans le désespoir, quoi. C'était un petit peu ça. Bon, désolé, hein, pour les bons chanteurs de cette assemblée, vu que vous êtes à 99,9% des super bons chanteurs. Mais bon, voilà. Exactement. Et du coup, ça m'a énormément parlé. Ça m'a énormément parlé parce que justement, cette attente de Dieu, c'était vraiment véritablement celle que j'avais. Bon, après, j'ai pas. Là, c'était que les premières phrases de la chanson, mais le reste aussi était un peu plus explicite. Et en fait, après ça, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, voilà, j'ai commencé à vouloir bah, plus connaître, plus, voilà. Et puis Dieu, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il m'a juste ramené des nouvelles personnes, en fait, dans ma vie, dont Béné. Ça a été l'une des premières personnes que j'ai connues. Cette sœur en question. Voilà, donc en fait, c'est là que j'ai commencé un petit peu plus à être exposée. Mais encore une fois, je venais de loin. Je venais de loin. Juste pour vous raconter une anecdote, moi, quand je me suis convertie, j'étais convaincue qu'il y avait deux Jésus dans la Bible. Parce qu'en fait, pour moi, Christ, c'était un nom de famille. Et de Nazareth, c'était un nom de famille. Donc en fait, quand on commençait à prier, mais c'était la confusion dans ma tête. Je me suis dit, alors déjà, on te parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc déjà, le Fils, tu parles de quel Fils? Est-ce que je dois prier Jésus-Christ ou est-ce que je dois prier Jésus de Nazareth? Mais ça a été un vrai sujet, hein, pour moi. Donc, voilà. Et ça a été un vrai sujet dans ma vie. Enfin, en tout cas au début, je me suis dit, mais quel Jésus? Quel Dieu? Alors, à un moment donné, comme toute personne, enfin, imaginez-vous quand même. C'est pour ça la Trinité, là, j'ai même pas envie de rentrer dedans. Mais c'est vrai que quand tu passes d'un Dieu unique, on te dit que Dieu est unique. C'est l'un des points les plus importants dans l'islam. Après, tu vas dans le monde chrétien, on te dit, ah non, en fait, ils sont trois, mais en fait, c'est une. En plus, bon, moi, dans ma tête, ah, en plus, il y a deux Jésus, il y a deux fils. Ouh là là, bon, confusion.
Mais en tout cas, Dieu fait vraiment grâce. Et bon, voilà, j'ai grandi petit à petit dans ça. Et en fait, j'ai pas tout de suite dit à mes parents que j'étais chrétienne. Je vivais avec eux. Mais en fait, je leur ai dit 3 ans après. Et déjà, la première chose, c'est que quand je me suis convertie, bon, voilà, j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin. En fait, Dieu m'a véritablement changé. Parce qu'en fait, au moment où ce qui s'est passé dans ma salle de bain, le fait d'avoir un cœur nouveau, en fait, ça m'avait véritablement changé. La colère que j'avais n'était plus là. La haine que j'avais n'était plus là. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus là. Cet esprit de mort n'était pas complètement parti, mais j'avais une nouvelle espérance, en fait. Et ce qui était frappant, c'était qu'à ce moment-là, vu que j'étais quelqu'un de très, de profondément blessé, je blessais les autres beaucoup, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, encore une fois. Et ma famille, ils ont commencé à avoir vraiment un vrai changement en moi. Ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Donc voilà, il y avait des vraies questions autour de ça. Enfin, même ma petite sœur, à qui je faisais la misère absolue, même elle a reconnu, mais qu'est-ce qui se passe, Marie? Qu'est-ce qui se passe? Mais à l'époque, j'étais pas prête à leur dire que j'étais chrétienne, parce que dire que j'étais chrétienne aurait été la porte pour dire, en fait, la porte du rejet, quoi. Et je vais la faire brève, hein, parce que franchement, c'est long, hein, de raconter sa vie. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, juste pour terminer, en tout cas avec ma famille, au bout de 3 ans, en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, le Seigneur m'a dit clairement de partir. Il m'a dit de partir à Londres. Qu'est-ce que j'allais faire à Londres? Je ne sais pas. Je détestais cette ville en plus. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que... Ah, d'accord, ok. Merci, Born Again TV. Ah oui, c'est ça, oui. Et en fait, voilà, donc qu'est-ce que je vais faire à Londres? Je ne sais pas. Combien de temps je vais rester? Je ne sais pas. Chez qui je vais habiter? Bon, bah, il y avait ma sœur là-bas, mais bon, elle était avec un extrémiste à l'époque. Je me suis dit, bon, s'il trouve une Bible, je vais certainement me faire couper la tête. Donc, franchement, je suis partie là-bas par la foi. Je venais juste de m'acheter une voiture, je venais d'avoir mon permis, et j'ai tout vendu. Et je me suis dit, ok, j'y vais par la foi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'y suis allée, j'ai vécu chez ma sœur en fait pendant 9 mois. Et je me cachais. Bon, ma sœur, elle est au courant que j'étais chrétienne, mais mon beau-frère, évidemment, qui n'était pas du tout au courant, parce qu'alors lui, c'est vraiment le musulman ignorant par excellence. Donc les plus ignorants sont les plus fervents parfois, les plus fervents dans leurs convictions qui sont fausses en plus. Et même pas fausses par rapport à la parole, mais fausses même par rapport à l'islam, en fait. Mais voilà, bref. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est que, donc, c'était effectivement au bout de 9 mois, il a trouvé une Bible. Il a trouvé une Bible dans ma valise. Je le soupçonne d'avoir fouillé, mais en tout cas, il a trouvé une Bible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, moi, je ne me sentais pas du tout prête à le dire à ma famille, mais je me sentais profondément coupable de pas leur dire, parce qu'en fait j'avais toujours cette parole-là dans Luc 11 qui dit, bon voilà, celui qui me confesse devant les hommes, moi je confesserai devant mon père, celui qui me renie, je le renierai. En fait j'avais toujours ce truc en moi, mais tellement criant, et je me disais, mais Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis en train de te renier devant les hommes. Donc je sais que tu me renies aussi, mais enfin j'étais dans une vraie culpabilité, quoi. Mais c'est juste parce que je me sentais pas prête du tout à le faire. Et en fait, ce qui s'est passé avec mon beau-frère, ça a été l'élément déclencheur, parce qu'il m'a affronté, et c'était trop marrant. Enfin, pas marrant, c'est un grand mot. En fait, c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé, parce que quand il a découvert, mon beau-frère, il est très impressionnant comme personne. Et en fait, quand je suis arrivée, je rentrais du travail chez ma sœur, elle m'a interceptée, elle me dit, écoute, voilà, il a trouvé ta Bible. Et elle était blanche, quoi, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui fait très, très peur. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que sur le coup, je me suis dit, bah, so what? Il n'y a pas de problème. Et il y a une paix qui est rentrée en moi. Et c'était trop incroyable, parce qu'en fait, quand elle m'a dit ça, au même moment, j'ai eu la pensée dans mon esprit, OK, c'est le temps maintenant. C'est le temps d'en parler. Et quand je disais c'est le temps d'en parler, c'est le temps d'en parler à mes parents aussi. Donc voilà, j'ai eu la discussion avec lui, mais j'étais dans la paix totale. Mais totale, lui, il était en mode, il pète un câble.
Il me racontait toutes les conséquences, mais attends, tu vas te faire renier, et tu vas aller en enfer en plus. Et puis bon, bref, il partait dans ces trucs. Mais en fait, moi, dans tout ça, j'étais assise, mais j'étais dans une paix incroyable. À ce moment-là, je vais me coucher et j'entends une voix qui me dit, sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 9 mois, en fait, depuis que je suis arrivée là-bas, bon, on va dire 8, je cherchais un appartement parce que je voulais partir de chez ma sœur. Je trouvais pas. Je trouvais pas. Alors que franchement, à Londres, c'est quand même facile de trouver quelque chose, mais je trouvais pas du tout. Et c'est pour ça que j'étais là-bas. Et en fait, donc, quand je vais me coucher, je suis comme ça sur mon lit, j'entends une voix qui me dit, écoute, demain, va à tel endroit, devant tel magasin, devant telle vitrine, et tu regarderas. Et à tel endroit, il y aura un numéro. Tu vas appeler ce numéro. Et après-demain, tu vas déménager. Sur le coup, je me dis, what? Je me dis, oh là là, parce qu'à l'époque, bon, j'avais aucun discernement de l'esprit. Hein. Je me suis dit, mais attends, ouais. Mais en fait, c'était super bizarre parce que je me suis dit, si vraiment c'est comme ça que ça se passe, c'est que c'est fort. Je me suis dit, bon, je vais laisser la place à cette voix. Ok, pas de problème. Demain, je vais aller. Je vais faire comme la voix, elle m'a dit. Et je vais aller à tel endroit. Je vais regarder à tel endroit sur la vitrine et je vais voir tel numéro. Et évidemment, frères et sœurs, vous vous en doutez bien que c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant 8 mois, je cherche un appartement. La voix me dit, ok, va là-bas. Je vais là-bas. Je vois un numéro, je l'appelle. Je dis, ben voilà, je me présente, je cherche un appartement. Ah bon, on a quelque chose, machin, machin. Ce jour-là, j'ai visité. Le lendemain, j'ai déménagé. Et en fait, quelque part, c'est là que ça m'a montré déjà, un, que cette voix, que cette fameuse voix, bah, c'est véritablement l'Esprit de Dieu. Et en plus, que c'était vraiment le temps de sortir, en fait, de ma famille. Et je vous la fais courte, hein, excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais donc voilà, finalement, je suis revenue en France exprès pour leur dire. Et ça a été une vraie épreuve pour moi, en tout cas, parce que vraiment, mon père, c'est même pas une personne. Mes parents, c'est pas des gens avec qui on s'assoit à la table et on a une discussion, en fait. C'est pas du tout ça. Moi, mon père, il rentrait à la maison, il rentrait dans le salon, nous, on partait dans la chambre. C'était ça. C'était très, très rare qu'on s'asseyait ensemble et encore moins qu'on ait une discussion. Donc finalement, je suis retournée en France rien que pour ça. Et puis bon, bah, je ne vais pas vous embêter avec comment ça s'est passé la conversation. Ou si, bon d'accord, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais en jeûne et prière. Et j'ai vraiment eu des personnes qui m'ont beaucoup entourée à ce moment-là. Et qui m'ont vraiment soutenue dans la prière, mais à fond, parce qu'ils étaient persuadés que j'allais vraiment passer par la fenêtre. Et en fait, j'ai attendu le soir pour leur demander de venir autour de la table. Et en fait, je leur avais dit déjà dans la journée que je voulais leur parler à mes parents. Et par chance, on était vraiment que mes parents et moi, ce qui est très rare. Donc, j'ai laissé les invités partir parce qu'il y avait toujours du monde à la maison. Ils sont partis vers 23h30, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, je me suis installée à la table avec eux. Et bah, en fait, moi, ma mère, vu que je lui avais dit en amont, elle a été persuadée que ce que j'allais leur annoncer, c'était que j'allais me marier, que j'avais rencontré un peul, évidemment un peul, et avec qui j'allais me marier. Donc en fait, la première chose que j'ai fait, c'est voilà, je leur ai vraiment demandé pardon, parce que bah, c'est quand même, malgré le fait que j'ai beaucoup souffert du mode d'éducation qu'ils ont utilisé, encore une fois, je sais que mes parents n'ont jamais fait les choses mal intentionnellement. On ne donne que ce qu'on a, quoi. Donc eux, ils savaient que ça, ils connaissaient que ça, ils m'ont donné ça. Voilà. Et moi, quelque part derrière, ben, ce que j'ai fait, tentative de suicide, enfin, visiter ton enfance à l'aile psychiatrique pour les enfants, franchement, c'est pas évident. Donc, j'aurais vraiment demandé pardon pour tout ce que j'ai pu faire, etc. Et en fait, ce qui est aussi particulier, c'est que moi, mes parents, ils parlent pas très bien le français, et moi, je parle pas très bien ma langue. Je la comprends bien, mais je la parle pas bien. Alors déjà que je la parle pas très bien pour les choses basiques, alors expliquer Dieu dans ma langue maternelle, c'est encore un autre défi. Donc du coup, j'essayais vraiment d'utiliser des mots simples pour qu'ils puissent comprendre en fait ce que je leur disais. Et surtout, je voulais utiliser des mots qu'un musulman aussi peut comprendre. Parce que si vous parlez de grâce à un musulman, il va vous regarder avec des points d'interrogation dans les yeux. Il va même pas savoir de quoi il s'agit. Et du coup, ben voilà, j'ai commencé à parler en leur disant, bon, ben voilà, je me suis rendu compte vraiment que j'étais pas du tout quelqu'un de parfait. J'étais très imparfaite. L'être humain, il est imparfait.
Et voilà, mais et Dieu, alors que lui, Dieu, il est parfait. Donc finalement, je me suis posé la question, comment des gens imparfaits pouvaient s'approcher d'un Dieu qui est parfait? Et puis là, tu as mon père qui était tellement content de voir que quand ses enfants parlaient vraiment de Dieu, il était, ah, vraiment, c'est ça, ma fille, tu as raison. Donc il était hyper fier, tu vois. Je me disais, oh là là, papa, calme-toi, quoi. Parce que c'est vrai que je savais que là, c'était compliqué. Et en fait, après, j'ai continué et puis j'ai dit, voilà, donc en fait, je me suis rendu compte que le seul moyen pour que, bon, j'aurais pas dit comme ça, mais je vous le dis à vous, mais en gros, le seul moyen pour que l'homme imparfait s'approche de Dieu qui est parfait, en fait, c'est si Dieu lui fait miséricorde. Puis mon père est là, oui, c'est exactement ça. Et puis ma mère aussi, elle bouche la tête, oui, c'est ça, ma fille, c'est ça, t'as tout compris. Puis je dis, voilà, mais bon, la miséricorde de Dieu, en fait, eh ben, moi, je l'ai trouvée en la personne de Jésus-Christ. Je me souviens encore de la formulation, quoi. Je l'ai trouvée en la personne de Jésus-Christ. Et là, silence dans la salle, quoi. Et moi, ma vraie peur, en réalité, quand j'ai voulu l'annoncer à mes parents, la vraie crainte, c'est que mon père fasse une crise cardiaque. Parce qu'en fait, mon père, il est vieux, et je me suis dit que la nouvelle allait tellement le choquer que potentiellement, il allait peut-être mourir à cause de moi. Donc, bon, moi, ma mère, elle a juste pété un câble. Pété un câble. Elle a vraiment perdu la tête. Mon père, lui, bon, lui, c'est un autre souci, parce qu'en fait, il avait déjà fait un songe quand j'avais 8 ans. Et en fait, ça, j'ai su bien après, bien évidemment. Mais il a fait un songe quand j'avais 8 ans. Et en fait, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, dans le rêve qu'il avait fait, en gros, il allait au ciel. Et les portes du paradis lui étaient fermées. Et on lui a dit dans le rêve que c'était à cause de moi. Donc en fait, il a toujours su que moi, j'étais un peu, même si j'avais beaucoup la foi, il savait que j'avais quelque chose de fort en moi. Mais il s'est dit, elle va peut-être potentiellement me causer des problèmes. Et en fait, bizarrement, c'est comme si, en fait, quelque part, il s'y attendait un peu. Un peu, encore une fois. Parce que là, il m'a dit juste de manière calme, hein. Il m'a juste énoncé toutes les conséquences de mon choix. Bon, voilà. Si je meurs, tu viens pas à mon enterrement. Si tu te maries, il n'y aura personne dans la famille. Je dirai à tes sœurs de ne pas venir. Si tu fais ça, il n'y aura personne. Si machin, voilà. Il m'énonce juste les conséquences. Il me dit, bon, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis? C'est vraiment comme ça qu'il me parlait. Hein. Est-ce que tu choisis les trucs des catholiques? Parce que pour lui, tous les chrétiens sont catholiques. Est-ce que tu choisis ta tête des catholiques ou tu choisis ta famille? Je lui dis, non, c'est pas ça. C'est pas une question de choix. Mais moi, il y a une chose que je sais, c'est que je ne pourrai jamais renier Dieu. Je ne pourrai jamais le renier. Mais de la même manière que je ne suis pas en train de dire que voilà, j'abandonne ma famille, mais on ne peut pas me demander de renier mon Dieu. Et ça, je l'ai répété un milliard de fois. Donc voilà, c'est un peu la discussion qu'on a eue. Et en fait, depuis, bah, évidemment, c'est tendu spirituellement. Je ne vous parle même pas des combats. Enfin, je pense que vous avez une idée. Mais franchement, c'est puissant, mais je sers un Dieu encore plus puissant. Et il me l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc voilà, donc enfin, y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est vrai quand on demande de parler du témoignage, on parle souvent de ce qui s'est passé avant, il y a longtemps, et ça, c'était il y a longtemps. C'était quand j'avais 21 ans. Mais maintenant, si je vais faire un focus un peu sur le parcours, en tout cas, que j'ai fait, jusqu'à présent, franchement, je suis, voilà, j'ai pu vivre beaucoup de choses aussi avec le Seigneur, j'ai pu vivre beaucoup de choses dans ma foi personnellement. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc, ça fait combien de temps déjà? 19, 9, 15 ans. 15 ans. Ça fait pas beaucoup, 15 ans, ça passe très vite. Mais en tout cas, si je devais résumer ma vie chrétienne depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je dirais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont liées à beaucoup d'ignorance. Je ne dis pas que j'en connais beaucoup aujourd'hui, certainement pas, mais je suis un chouïa moins ignorante qu'au début. Et je dis pas un chouïa parce que oui, je suis humble, machin, parce qu'en fait, il y a un moment donné où j'ai vraiment cru que je connaissais beaucoup. Il y a eu un moment donné où j'ai vraiment cru que je connaissais beaucoup. Et en réalité, quand il m'a bien giflé, mais d'une manière violente, c'est là que je me suis rendu compte
que en réalité, bah, non seulement tu connais rien, mais en plus, il n'y a pas le chemin qu'en fait j'emprunte, c'est pas le chemin, je sais pas comment expliquer. Parce que souvent, en fait, on croit que la goutte qu'on a reçue représente tout l'océan. Non, en fait, ce que tu connais, c'est même pas une goutte de Dieu. Et en fait, on part du principe que la goutte que moi je comprends, le reste du monde doit le comprendre. Et si le reste du monde ne comprend pas, c'est qu'ils sont tous à l'ouest. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, si je peux dire quelques paroles pour encourager ceux qui viennent d'arriver dans la foi, bah, pour aussi leur éviter peut-être les pièges que dans lesquels moi j'ai pu m'enfoncer. On m'a toujours dit, parce que moi j'ai toujours eu une manière très intellectuelle d'approcher Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas le croire aujourd'hui, mais avant j'étais un vrai dictionnaire biblique. Je connaissais la Bible par cœur. Mais je connaissais la Bible par cœur. J'étais un dictionnaire biblique. On me disait un verset, ah ça se trouve dans machin, même dans les petits livres là que personne ne connaît là. Les sophonies, les petits livres comme ça là. Je connaissais par cœur le truc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, pour retenir un verset, c'est compliqué. C'est comme si, en fait, on m'avait juste effacé tout le tableau et qu'on m'avait demandé de tout recommencer à zéro. C'est vraiment un sentiment incroyable. Mais en tout cas, si je peux résumer en tout cas mon expérience depuis lors, c'est que effectivement, à l'époque, vu que j'avais une approche très compliquée, et encore une fois, l'esprit de mort a pris des formes différentes. Il n'est pas parti tout de suite. Ça a pris des formes, la forme de la condamnation. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça comme ça, je me sentais, mais à un niveau de condamnation, mais hors pair. Hors pair. Au point qu'à un moment donné, c'était tellement fort le truc que j'ai même pensé effectivement à mettre fin à mes jours alors que j'étais chrétienne. Parce qu'il y avait des luttes, je n'y arrivais pas. Mais c'est parce que c'était juste un manque de connaissances. Pas un manque de connaissances bibliques, un manque de connaissances de l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment une différence. Encore une fois, hein, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et tant qu'on n'a pas, on ne comprend pas ou on comprend de manière, on comprend trop peu l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu, mais en fait, on servira toujours Dieu par nos forces. Et je peux vous dire une chose, c'est parce que je l'ai fait pendant des années, servir Dieu par ma force, c'est extrêmement fatigant. C'est très fatigant parce qu'en plus, toutes les luttes que tu vas mener, tu vas toujours les perdre. Parce que tu vas toujours retourner à la case départ, parce que tu n'as plus de force. Et pourquoi tu n'as plus de force? Parce que tu les fais par ta propre force. Or, nous savons que nous sommes limités. Donc, la parole, en tout cas, qu'on m'a toujours répétée, c'est Mariama, reste simple, sois simple avec Dieu. Et je me souviens, ses frères et sœurs qui disaient ça, ses frères surtout, un frère en particulier, il me disait, mais sois simple, Marie, sois simple. Littéralement, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je lui disais toujours, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois simple, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, la simplicité, parfois, on peut se dire, si c'est trop simple, c'est que c'est pas Dieu. Si c'est trop simple, c'est que Dieu n'est pas là. Parce qu'on veut rentrer dans des choses, machin, oui, mais là, c'est ma part, là, c'est la part de Dieu, Dieu me demande de faire tel effort quand même, parce que nanani, et puis on va rentrer dans des trucs, et puis on va se mettre des versets dedans aussi, qu'on va évidemment mal interpréter, et puis on va faire un mélange de tout ça, et finalement, tu vas te retrouver dans un truc. Là où, un, tu vas te poser la question, est-ce que je suis vraiment sauvée? Et de deux, tu vas te poser la question en te disant, mais est-ce que vraiment Dieu m'aime et me pardonne? Et en fait, si à partir du moment où dans notre marche, on remet ces deux choses en question, c'est qu'il y a un problème fondamental au niveau des fondements, en fait. Et au niveau surtout de la connaissance de Dieu. Après, voilà, pour faire simple, restons simples. Et aujourd'hui, franchement, je suis descendue à un niveau de simplicité. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis descendue même à un niveau trop simpliste. Pour vous dire que moi, j'étais dans les trucs. Je suis rentrée dans les trucs hébraïques. Hein. Oh là là, je suis rentrée dans les trucs hébraïques. Tout le champ lexical, là, le Ruach HaKodesh, je pouvais même te réciter Genèse en hébreu. Je suis rentrée dans tous ces trucs-là, frères et sœurs. C'est pas du tout une mauvaise chose, attention. Mais ça devient une mauvaise chose quand ce n'est que de la connaissance, quand ce n'est que de la connaissance intellectuelle et que ce que tu connais, tu ne le traduis pas ou ça ne se manifeste pas en tant que vie de Dieu en toi.
parce que sinon, bah, tous les théologiens, ils seraient tous au ciel aujourd'hui. Mais en réalité, c'est pas une question de combien de versets tu connais, combien tu connais de la parole. Il faut connaître la parole, parce qu'attention, hein, l'ignorance tue aussi. Mais par contre, ce qui est important, c'est de traduire cela, que ça se traduise en fait dans ta vie. Ce que tu connais, est-ce que ça change la vie des autres? Est-ce que ça change ta vie, premièrement? Est-ce que ça change la vie des autres? Et en fait, c'est toutes ces remises en question que j'ai fait plutôt récemment, hein. Ces deux dernières années, on va dire, ou peut-être ces trois dernières années, non, un petit peu plus quand même. Oui, non, peut-être pas. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, pendant très longtemps, je me suis beaucoup fatiguée. Donc, la première leçon, c'est de rester simple. Le peu que tu connais aujourd'hui, si ça se traduit par la vie en toi, si ça prend vie à l'intérieur de toi, encore une fois, la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Si c'est que dans la tête, il y a un souci. Mais par contre, si ça descend dans le cœur et que ça produit quelque chose en toi, non seulement en toi, mais que ça produit une lumière que tout le monde voit, gloire à Dieu. Dans les choses les plus simples. Et encore, les choses les plus simples sont les plus fondamentales, tout simplement. Donc, première leçon, après 15 ans de conversion, restez simple. Deuxième leçon, hyper importante. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fin des temps. On parle beaucoup de la fin des temps. Et moi, j'ai toujours entendu cette parole-là dans toutes les assemblées que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai toujours entendu ce truc. Oui, mais vous savez, Dieu n'a plus le temps. Dieu n'a plus le temps. Là, c'est le temps. Là, voilà, c'était pas comme ça, machin. Là, c'est vraiment le temps de Dieu. Hein, il n'a plus le temps de t'attendre, je sais pas quoi. Ok. Moi, ce que j'ai compris, ça, c'est mon interprétation, moi. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Lui, il a fait les choses, il les a mis en place, il a cessé de les faire, il est rentré dans un repos, il est rentré, en gros, dans... Il laisse maintenant le cours des choses se faire. Il n'est plus là en train... Oh là là, vraiment, celle-là, elle n'a pas fait encore, là. Comment je vais faire, là? Est-ce que ça ne va pas retarder mon programme? Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas en retard. Il n'est ni en avance, il est juste en fait. Et c'est nous qui avons une notion de temps. Lui, il n'en a pas. Nous, on vit dans les temps, on est limité par des temps, effectivement. Et Dieu nous a imposé des temps, c'est lui le créateur. Mais par contre, pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, on veut se presser à faire des choses. Mais quoique aujourd'hui, on soit dans la fin des temps, le temps, comme on le vit tous, le temps s'accélère tout le temps. Il y a une chose qui demeure. Un enfant, avant de naître, il reste 9 mois dans le ventre de sa mère. Ça, ça change pas. Oui, on est dans les derniers temps. Oui, ça s'accélère. 9 mois dans le ventre. Ça ne change pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui prennent du temps à être formées. Et en fait, je trouve qu'on peut se prendre beaucoup de murs quand on veut accélérer les étapes parce qu'on s'est fait notre propre plan, évidemment, dans nos têtes. Et qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir dans des choses qui sont fondamentales. Parce qu'on veut tout de suite, mais moi j'ai envie aussi de parler comme les autres, ou bien j'ai envie de connaître comme les autres, ou on cherche en fait une vaine gloire, et surtout, on oublie le temps de formation. Et j'ai compris aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis convertie, que je suis toujours dans la formation. Je suis toujours dans la formation. Dire que, ah non, mais moi, au bout d'un an, moi, c'est bon, j'étais déjà dans mon ministère. Hein. J'avais déjà une congrégation de 5 millions de personnes. Hein. Ouais, d'accord. C'est très bien. Par contre, le jour où tu vas avoir un vrai défi émotionnel, psychologique et spirituel, parce que tu n'auras pas pris le temps d'apprendre, pas pris le temps de t'asseoir vraiment au pied de Dieu, mais tu vas t'écrouler alors que tu as 5 000 membres dans ton église. C'est pas le but. Donc vraiment, j'encourage chaque personne à vraiment donner le temps à Dieu de ne pas se presser. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu marches avec le Seigneur, si tu marches de tout ton cœur avec le Seigneur, et même, j'ai envie de dire, c'est pas pour encourager à ça, mais même quand tu fais des détours et que finalement, machin, Dieu sait tout ça. Mais si tu cherches véritablement Dieu, sa parole va s'accomplir. Et moi, c'est toujours ce qu'il me dit. À chaque fois qu'il me parle, il me dit toujours, mais les promesses que j'étais faites, elles vont s'accomplir. Donc, et parfois, au début, j'étais là, oui, mais peut-être que, tu vois, il fallait que je sois à tel point dans mon existence, dans ma vie, pour que telle promesse s'accomplisse, ça va s'accomplir.
Point barre. Après, oui, parfois, en fait, c'est comme une classe. C'est normalement une classe scolaire, une année scolaire, c'est 9 mois. Et pendant ces 9 mois, est-ce que tu as acquis tout ce que tu devais acquérir? Peut-être que tu apprends plus de temps, peut-être. Mais en fait, l'important, c'est juste de discerner les temps et de ne pas courir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Et ça, je crois que c'est vraiment la leçon morale aujourd'hui, quoi. C'est vraiment comprendre à quel point c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est pas à dire qu'il faut que nous, on reste là, à se croiser les bras. Non, parce que quoi qu'il arrive, quand Dieu te demande de prier, Dieu ne va jamais prier à ta place. Il ne va jamais jeûner à ta place. Il ne va jamais pardonner à ta place. Il y a des choses que c'est toi qu'il faut qu'il les fasse, mais tu les fais avec lui. Tu les fais pas juste toi-même pour montrer à Dieu que non, on les fait ensemble. Ça, c'était la deuxième ou la troisième, je ne me rappelle plus. Et peut-être une dernière chose, croire que Dieu est là, quoi, tout simplement. Croire que Dieu est là. Les circonstances, nos émotions peuvent nous faire croire beaucoup de choses. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Et il est plus grand que nos sentiments, que nos émotions. Croire tout simplement qu'il est là. Qu'il est là et qu'il veille. Et voilà. Et peut-être un dernier pour la route. S'il y a vraiment un truc que j'ai bien retenu, hein. Il faut pas juger les autres. Franchement, il faut pas juger les autres. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens qu'on estime qui sont pas vraiment chrétiens. Oui, là, regarde le frère, regarde la sœur. Non, prions seulement les uns pour les autres. Prions seulement les uns pour les autres parce qu'on ne sait pas d'où la personne vient. J'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié l'exhortation de Béni sur les blessures. On ne sait pas ce que les gens ont vécu. Et surtout, il y a cette parole qui me revient. C'est avant de regarder la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton frère, bah, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Donc, aidons-nous plutôt que de se condamner tout le temps. Ah oui, tant, machin. Parce que, encore une fois, hein, tu peux avoir les plus grandes prophéties en toi. Tu peux avoir la plus grande connaissance au monde. Mais si tu n'as pas la vie de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, on revient à 1 Corinthiens 13, mais si tu n'as pas des choses simples et fondamentales, tu passes à côté du but en fait. Tu parles de Dieu toute ta vie sans le connaître. Tu parles de manière intellectuelle. Donc cherchons vraiment les choses qui demeurent véritablement. Voilà. C'est un peu ça. Et j'ai dit que j'allais pas être longue. 1h18. Adolf Hitler? Ok. Bienvenue, hein. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va dire, elle est calme. Ma relation avec ma famille, elle est plutôt calme, mais parce que je ne me suis pas encore mariée. En fait, pour eux, enfin, moi, je pense que vraiment. Non, 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 mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, Adolphe, t'inquiète. C'est marrant. Non, en réalité. Les choses, je pense, ont beaucoup, beaucoup changé parce que quand je vais ramener mon mari, parce que eux, de toute façon, en fait, le moyen pour eux que je reste dans la famille et dans l'islam, c'est par le mariage. Ils se disent, si elle se marie avec un mari musulman, bon, ben voilà, parce que pour eux, de toute façon, le reste est inenvisageable. Mais ben, peut-être que je serai obligée de me convertir parce qu'en fait, quand tu te maries avec un musulman, tu es obligé de te convertir. Et du coup, pour eux, c'est leur moyen. Sauf que bah, moi, j'ai un autre programme, quoi. Donc, je pense que ça va beaucoup, beaucoup se décider et vraiment se. En fait, j'ai beaucoup fait les choses pour cultiver une forme de paix.
avec ma famille. Et pour ne pas être dans le rejet total, je refusais ça. Moi, je me disais toujours, si ma famille ne me rejette pas à 400%, moi, je ne les rejetterai pas. Jamais. Même si on m'a montré des choses spirituellement, laisse tomber. Tu as envie de prendre tes jambes à ton cou et de partir et plus jamais calculer personne. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. S'il m'a appelé, si on nous a appelés de nos familles, c'est pas pour juste être dans notre bulle, en fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que je prie beaucoup, 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 comme nous tous. Hein. Mais ma famille, c'est effectivement un véritable fardeau. Un fardeau dans la prière que j'ai, quoi. Voilà. Ça répond à ta question, Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, peut-être, commentaires, questions? J'attends quelques petites minutes avant de vous dire au revoir. Bonsoir, quand tu as pris la décision de partir vivre chez ta sœur, comment as-tu su que c'était le plan de Dieu et non une simple idée que tu avais? C'était une forte conviction. Et en fait, merci Patrick. Et en fait, à l'époque, c'est vrai que je n'arrivais pas trop à discerner l'Esprit de Dieu, mais la grâce que j'avais, que j'ai eue, c'est de pouvoir entendre parfois clairement. Et vous savez, dans la parole de Dieu, hein, quand on dit, par exemple, même à Abraham, quand on dit, voilà, et Dieu dit à Abraham, quand il y a des prophètes qui prophétisent, ou peu importe, Dieu dit que. En fait, il ne faut pas croire que c'est toujours une voix audible là qui parle. Souvent, c'est dans leur cœur, ça monte dans leur cœur, en fait. Et c'est parfois, c'est juste une conviction extrêmement forte. Et moi, ça a été le cas. Et en plus, j'ai su que c'était pas de moi parce que je détestais Londres. Je détestais Londres. Et en fait, c'est comme, je sais pas comment expliquer quand Dieu me parle, en fait, des fois, c'est comme quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi, en fait. Et c'est un truc, je sais que c'est pas moi. Donc voilà. Et en plus, je suis restée 6 ans à Londres, hein, quand même. Hein. Sachant que j'étais partie, j'avais dit à tout le monde, bon, je pars, hein, Dieu me dit de partir, mais peut-être que je reviens dans 2 mois, hein, tu parles. Je suis restée 6 ans. Et en 6 ans, j'ai vu des choses extraordinaires. Franchement, il a fait des choses extraordinaires. Voilà, c'est clairement le Seigneur. Après, est-ce que ta question, c'est comment on fait la différence entre les deux, ou c'est juste par rapport à ça, à cet événement-là en particulier que tu poses la question? Voilà, ça c'est la question que je te pose du coup. Widlor, on dirait que tu voyais Dieu d'une manière assez sévère avant. Comment tu le vois aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Waouh. Ouais, c'est vrai que je le voyais de manière extrêmement, extrêmement sévère. Et pendant très, très longtemps, je l'ai vu comme ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a beaucoup joué, c'est mon héritage par rapport à l'islam, en fait. Parce que moi, pour être honnête, j'avais un gros problème avec la manière dont les chrétiens percevaient Dieu. Pour moi, c'était carrément bizarre. Et pour être très, très honnête avec vous, même à l'heure actuelle, il y a un truc qui me chiffonne tout le temps. C'est quand je vois des bibles par terre. Quand je vois une bible par terre, je me dis, mais comment c'est possible de mettre une bible par terre? Enfin, sur le lieu où on marche, quoi. Enfin, moi, il y a des choses comme ça. Après, vous me direz, voilà, t'es peut-être pas délivré, j'en sais rien. Mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses. Je reconnais que l'islam a quand même un certain respect des choses que je retrouve pas toujours chez les chrétiens, en fait. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal parce qu'en fait, je voyais beaucoup la légèreté des chrétiens dans des choses, en fait. Et par exemple, un truc bête, mais moi, j'ai mis des mois et des mois, voire peut-être même des années, je sais plus, à tutoyer Dieu.
pour moi, Dieu ne se tutoie pas. Enfin, imagine, je vous vois mon père, alors Dieu a plus forte raison. Donc c'est vrai que déjà il y avait ce truc-là. Et en fait, voilà, moi ce qui me dérangeait beaucoup, c'était la familiarité. J'avais l'impression que les chrétiens avaient avec Dieu. Voilà, on fait les trucs et puis oh, t'inquiète, Dieu n'est que grâce. Et moi, le mot grâce et amour, pour être très honnête, franchement, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Mais j'ai vraiment commencé à comprendre l'amour de Dieu il y a 2 ans. Parce qu'avant, je le comprenais de manière complètement intellectuelle. Mais il y a 2 ans, en fait, il s'est passé un truc terrible et du coup, ça m'a complètement cassé. Non, attends, c'était. Oui, si, c'était il y a 2 ans. Et en fait, quand j'ai vu la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, en fait, c'est vraiment là que je l'ai véritablement expérimenté. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'étais tellement aveuglée par mon propre manque de pardon envers moi-même qu'en fait, je m'étais fait Dieu à la place de Dieu. Donc, si moi, je ne me pardonne pas, Dieu n'a même pas de place dans mon affaire, quoi. Lui, il peut même pas me pardonner si moi, déjà, j'y arrive pas. Donc, c'est vrai que, tu vois, dans tout ça, j'ai même oublié ta question de l'heure. Je suis grave, hein. Comment je le vois aujourd'hui, pardon. Comment je le vois aujourd'hui? Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme un père et même comme une mère. Et même si parfois il y a ces idées qui reviennent, ah, mais peut-être que je me mets vite un frein parce qu'il y a eu ces automatismes pendant tellement longtemps qu'en fait là, c'est comme si j'étais en mode reprogrammage. Mais en fait, aujourd'hui, je le vois véritablement comme je le vois vraiment comme un. C'est peut-être faux de dire parent parce que ça réduit trop le truc. Mais en tout cas, je ne le vois plus comme cette personne-là qui va juste me fouetter. Parce qu'en fait, ce qui était marrant, je vais juste vous raconter ce truc-là, après je réponds aux autres questions. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours une vision, effectivement, comme tu disais, très sévère de Dieu. Et je ne me pardonnais pas du tout. Et c'est ça qui m'a beaucoup plombée. Et en fait, un jour, donc cet épisode-là, je m'étais dit, mais c'est pas possible, mais je peux pas me relever. Et en fait, Dieu m'a parlé de manière mais audible. Il m'a demandé de me relever, et après il a continué à me parler. Et en fait, quand il me parlait, il y avait un tel amour, qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tout ce qu'il me témoigne, c'est comme si c'était un modèle, en fait. C'est comme si il me montrait l'amour pour que moi aussi je puisse connaître c'est quoi l'amour et le montrer aussi aux autres. Ou en tout cas, le manifester aussi envers les autres. Parce qu'en fait, la dureté que j'avais vis-à-vis de moi-même, quelque part, c'était presque une dureté que j'avais aussi avec les autres. Et en fait, dans sa manière d'être avec moi, il est comme un enseignant aussi. À chaque fois qu'il me pardonne, c'est pour me montrer comment on pardonne. À chaque fois qu'il me montre comment il m'aime, c'est pour me montrer comment on est. À chaque fois qu'il me reprend, c'est aussi pour me montrer comment on reprend aussi. Donc c'est vrai que à tous les niveaux en fait dans la manifestation qu'il fait dans ma vie c'est toujours un enseignement. C'est toujours un enseignement. En tout cas aujourd'hui je suis beaucoup plus relaxe. Hein. Je suis beaucoup plus relaxe. Et ce qui fait que je suis relaxe c'est parce que j'ai arrêté de me mettre de la pression en me disant que si je fais pas la chose là maintenant là oh là là si je prie pas là maintenant tu vas me condamner. Non. En fait quand tu comprends que les choses on les fait par amour. Ben voilà, bref. Je ne sais pas si j'ai compris, si j'ai répondu à ta question, Widler, parce que j'étais tellement longue dans ma réponse. Laisse tomber, quoi. Désolée, hein. Merci, Sophie. Ma question est générale. Ouais, non, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, bah, effectivement, pour répondre, c'est juste la conviction de Dieu, en fait, hein. C'est juste une forte conviction que tu as en toi. Et tu arrives vraiment à le dissocier avec ta propre volonté. Pour te répondre, who really, oh well. Ah, merci Seigneur. Ok, Fouki. Ah, Béa. Ma sœur. Quel type d'erreur as-tu fait qui pourrait être évitée? Ça pourra nous aider pour notre marche.
Quel type d'erreur? Waouh! Est-ce que vous avez 5 heures devant vous? Tu vois où est de l'or, hein? Tu as vu les séquelles, hein? Laisse tomber, quoi. Pour répondre à ta question, Béa, je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. La première erreur que j'ai faite, c'est de servir Dieu par ma force. Ça a été ma plus grande erreur de ma vie. Franchement. Il y a les résidus. En fait, le fait de servir Dieu avec l'intellect, mais c'était pas forcément voulu, en fait. C'est parce que je ne savais pas comment faire autrement. En fait, je savais pas. En fait, en vrai, je ne savais pas servir Dieu. Et j'apprends encore aujourd'hui. J'apprends à servir Dieu, franchement. Parce qu'en fait, avant, et encore une fois, ça c'est peut-être dû à mon passé de musulmane. Parce qu'en fait, en tant que musulman, on te dit de pratiquer certaines choses, tu fais des choses, et si tu fais pas, eh ben, tu te fais zigouiller. C'est cette vision-là qui m'a beaucoup perturbée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que tout ce mécanisme, tout ce travail qu'on fait avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça. Et surtout, j'ai toujours cru que Dieu, il était à l'extérieur de moi. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, Dieu vit à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit est en moi. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que même des fois, je l'entends quand on prie. En fait, on dit, ah Seigneur, viens en ce lieu, viens en ce lieu, Seigneur, viens en ce lieu. Mais le Seigneur est là, il est en toi. Il est en toi. En fait, on prie pour que Dieu vienne, il envahisse, il marche. Il est en toi déjà. Et en fait, tant qu'on ne comprend pas ça, on va toujours chercher Dieu dans les choses loin de nous. Or, Dieu, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il le dit lui-même, hein, je n'invente rien. Il est à l'intérieur de nous-mêmes. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui est en même temps en nous. Est-ce qu'on se rend compte? Et ça, franchement, c'est quelque chose de fondamental, mais ça, je pense. Honnêtement, qu'on l'apprend avec le temps. On l'apprend avec le temps quand on s'est pris beaucoup de murs, je pense. Et quand on s'est beaucoup fatigué. Donc vraiment, ne pas servir Dieu par sa propre force, ça sert à rien. L'autre chose, l'erreur que j'ai beaucoup fait, c'est qu'en fait, j'avais une image de chrétien dans ma tête. Je me disais que être chrétien, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui fait pas ci, quelqu'un qui fait pas ça. En fait, j'avais une image de chrétien. J'avais pas Christ dans ma tête, hein. J'avais une image de chrétien. Parce que je me disais, bah, si je suis pas comme ça, les gens vont me condamner. Si je suis pas comme ça, je vais me faire rejeter. Donc peut-être l'erreur à éviter, c'est de se dire que de chercher l'approbation des hommes. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris, hein, c'est que les mêmes personnes qui te louent sont les mêmes personnes qui vont te descendre. C'est pour ça qu'il n'y a aucune gloire, en fait. Il n'y a aucune gloire. Mais ça, Dieu nous délivre de ça petit à petit. Voilà, et oui, ne pas courir, ne pas construire par soi-même, quoi, en fait. Ne pas éviter de construire par nos propres forces. Parce que, en fait, à partir du moment où vous vous fatiguez à faire quelque chose, c'est que vous le faites par votre force. Je pense. Parce qu'il y a, il y a juste une chose que j'ai compris, hein. Par rapport au péché. En fait, moi avant, le mot qui me hantait, c'était la discipline. Parce que je suis tout sauf quelqu'un de discipliné. Et en fait, on me disait, non, ce qui est important dans ta vie, c'est d'être discipliné. Si tu n'as pas la discipline, tu es un disciple, tu dois être discipliné. On te faisait des formules comme ça, là. Si tu es un disciple, tu dois être discipliné. Si tu vas chercher. Donc en fait, ce que je faisais, bon, moi, on me disait, il faut être discipliné. Bon, bah ok. Donc je me mettais une discipline. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que même quand je commence à me mettre une discipline, c'est tellement difficile pour moi, parce que finalement, je fais les choses dans la force, en fait. Je me force à faire ça. Par exemple, si je me dis, je ne fais pas le procès de la discipline. Hein. Évidemment que non, mais vous allez plus comprendre quand je vais vous expliquer. C'est qu'en fait,
Du coup, je me mettais limite des emplois de temps. Je me disais, ah, il faut faire ci, à cette heure-ci, nanani, nanana. Et en fait, quand tu fais ça pendant longtemps en te disant, ben, en fait, quand tu fais ça en te disant que c'est parce que tu es discipliné que Dieu va intervenir ou que Dieu va se manifester, ben, en fait, là, déjà, tu passes à côté de quelque chose. Parce qu'en réalité, Dieu, oui, c'est vrai, et c'est certain que il installe une discipline dans ta vie, mais il le fait par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si on arrive à voir la nuance. Parce que finalement, en fait, quand je commençais à prier, typiquement quand je me faisais une discipline comme ça, là, en mode soldat, ou bien même par rapport au péché, tu vois, ah non, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça, c'est terminé, machin, et ta, 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 je prends des résolutions là. Mais en fait, pourquoi ça s'atténue au fil des temps et que ça tombe en ruine après, quelque temps après? C'est parce qu'en fait, c'est pas motivé par l'amour de Dieu, mais c'est motivé par la peur et par la. Et parce que, ah, ben parce que je fais ces œuvres-là, donc Dieu va m'approuver. Encore une fois, je mets vraiment l'accent dessus. Les choses, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on les fait. Même la discipline, c'est par l'Esprit de Dieu. Si on est inspiré, par exemple, je le vois dans le groupe, on est inspiré des fois à faire une semaine, on prie à 9h30, quand on l'avait fait, moi, ça m'avait fait tellement de bien, mais c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est pas pour prouver qu'on est, des gens de prière. Donc, il y a vraiment une vraie nuance. Elle est très subtile, mais elle est vraiment là. Béa, tu me dis si j'ai répondu, sinon je développe. Bon, voilà. Après, je vois que c'est un autre débat sur l'étymologie. Donc. Merci beaucoup, Fouki. En tout cas, c'est si j'ai pu. Ah non, c'est pardon, c'est Béa qui répond. Merci. OK. En tout cas, soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, en tout cas, si je peux dire une dernière chose, c'est vraiment. Ne vous découragez pas, on est tous dans le même bateau. On apprend tous. Celui qui dit qu'il est arrivé, c'est un grand menteur. Parce que souvent Dieu, il aime bien faire des restarts. Ah non, tu pensais que c'était comme ça? Ah d'accord, ok. Allez, recommence tout parce que tu n'avais rien compris au début. Amen. Merci Christophe. Mon avis à moi sur le mot de Dieu? Tu vois, ça, c'est typiquement des questions que je me pose plus. Hein. Je t'ai dit simplicité, ma sœur. Alors, par rapport à la Bible, Yeshua Mashiach, qui utilise le mot Elohim à la place du mot Dieu? Ouais. Elohim, c'est en hébreu, donc c'est la racine d'écriture de l'Ancienne Alliance. Ton avis à toi, Mariama, sur le mot Dieu, s'il te plaît. Est-ce que je rentre dedans? C'est vrai qu'aujourd'hui, je sens qu'on a une volonté, en tout cas, de retourner vers les racines, et c'est une très très bonne chose. Mais aujourd'hui, moi, la question que j'aimerais te poser, Christine. Parce que je pourrais te dire des choses sur Elohim. Je pourrais même te dire que Elohim ne figure pas partout dans la Bible, dans les Écritures, et que ça veut dire aussi autre chose. Bon, bref, mais je ne vais même pas rentrer dedans. En fait, juste lorsque tu appelles Dieu Elohim ou quand tu l'appelles Yeshua, en fait, quelle est ta démarche dans ton cœur? Quelle est la démarche dans ton cœur? Moi, je dis juste les quatre mots, c'est-à-dire. Je comprends pas. As-tu été baptisé? Si oui, est-ce que le baptême a changé les choses en toi, ta période de mauvaise pensée? Ok, bah, je te laisse arriver, Christine. Je te laisse reformuler ta question, Christine, du coup. Magali?
Oui, j'étais baptisée, bien sûr. Et j'étais baptisée et excuse-moi avant de répondre, Magali, je vais juste finir avec Christine. Christine, peu importe. Peu importe. Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et après, il se révélera. Mais c'est pas l'essentiel, il n'est pas là, il n'est pas dans il n'est pas dans l'étymologie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous dans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous dans. Voilà, on veut tous retourner dans les choses étymologiques, etc. Mais si tu dis Elohim et que ton cœur est toujours le même, enfin, ça change rien. C'est pas parce que tu dis Dieu ou Elohim, tu vois. Donc, encore une fois, la simplicité. La simplicité. Donc, si tu appelles Dieu par ces quatre noms, pas de problème. Go for it. Et pour répondre à Magali, le baptême en soi, pas forcément. Ça n'a pas forcément changé mes pensées. Mais par contre, ça a été une étape importante, oui. Les pensées, ça se fait beaucoup avec le temps. Il faut juste comprendre que la délivrance, il y a des délivrances qui se font ponctuellement. C'est pas grave, Christine. C'est pas grave. Appelle Dieu comme tu veux, tant que tu viens à lui avec un cœur sincère, avec la volonté de le connaître. Peu importe. T'inquiète pas. Même si tu l'appelles Elohim ou Adonai ou El Shaddai, Dieu est Dieu. Il va te répondre si tu viens d'un cœur sincère. C'est ça l'important. C'est vraiment ça l'important. Encore une fois, hein, la simplicité. Et volontairement, je ne rentre pas dans les trucs étymologiques. Pour revenir au baptême, non, en fait, il y a juste des délivrances qui prennent du temps et il y a des délivrances qui sont immédiates. Voilà. Mais quand ça prend du temps, faut pas se décourager. Merci beaucoup, Widlor. Bonne soirée à toi, en tout cas. Et est-ce que j'ai répondu à ta question, Magali? Parce que je sais que je me suis interrompue. Pas de problème. Si tu as d'autres questions, tu peux m'appeler Magali, hein, si tu veux qu'on développe ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, ou si on a d'autres peut-être, mais qui viendront après, je suis sur le groupe, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. En tout cas, soyez tous bénis. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous. Surtout que je sais que que je suis très trop discrète des fois. J'ai mes raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Mais bon, en tout cas, si ça a pu encourager une ou deux personnes, franchement, que Dieu soit béni. Donc, vraiment, je vous remets tous entre les mains du Seigneur, votre nuit, vos familles. Et vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me parler à part en message privé. Oui, je vais le mettre sur le groupe. Voilà. Bah, tant mieux. En tout cas, je vous aime beaucoup et je rends vraiment témoignage de vous. Franchement, quand je parle de vous à des gens qui ne sont pas dans cette assemblée, je rends vraiment témoignage de votre sincérité et de votre simplicité dans les choses. Et franchement, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Ça me touche tout le temps, franchement, au bord des larmes, quoi. Et vous êtes vraiment des modèles, en tout cas. Ça, je voulais vous le dire, vous êtes vraiment des modèles parce que c'est très, très rare. Franchement, c'est rare de voir ce qu'on voit dans cette assemblée, c'est rare de le voir ailleurs. Donc, soyez vraiment bénis dans tout ce que vous faites. Et j'espère être aussi une bénédiction dans les jours, mois, dans le futur, en tout cas, à venir. Voilà, c'est terminé. Donc,
À très bientôt. Je vous aime beaucoup, même si je ne le montre pas, mais je suis africaine, vous me pardonnerez. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt, j'espère, en mode déconfiné complètement à Saint-Maur. Ciao, ciao. En espérant que je sache arrêter cette vidéo.